Derrière, puis qu'on fasse ça avec les ficelles, le fil, d'accord? Tu vas voler assez haut, et tu vas faire comme tu as fait sur le simulateur hier, des 8, ou des ronds, tu tournes des ronds, d'accord? Essaye de garder la vitesse ou ça, et tu reviens marcher. Tu vas faire des ronds et 8. Des ronds et des 8. Et on va essayer de rien casser. C'est bien. Regarde, tu arrives. Allez, tu meubles là. J'ai chier, tout s'est marché. Hein. Quoi? J'ai chier, tout s'est marché. Là, c'est votre avion, mais...
t'as pas, c'est une merde. En tout cas, j'ai démonté. Et je t'ai ramené un moteur, tiens, encore. J'ai démonté le tien hier. T'as réussi à l'ouvrir ? Mais non, mais j'ai dépouillé l'aile. Et tu sais ce qu'il y a comme cerveau dedans ? Tu sais ce que t'as vu comme cerveau sur ton aile de bizarre ? C'est pas un Corona ? Non. C'est quoi ? Ne me dis pas, c'est des Tourniji ou un truc comme ça. C'était HXT 900. Noir ? Ouais, noir. Ah oh, putain. C'est de la merde. Est-ce qu'on sait pas ce qu'il y a ? Ça y est, je l'ai. C'est quoi la batterie qu'il y a dedans là ? 2002. Ah oh, c'est long hein, putain, je vole longtemps avec ça. Ouais, mais en plus, je vole pas fort, c'est à 18 ampères. Ah c'est bien, tu regardes comment je fais l'atterrissage. Tu vas de là-bas. Hein. Tu prends ton... Non, c'est moi, c'est moi. Et regarde, là j'ai coupé mon moteur entièrement. Là. Et t'arrives droit. Tu vois, il faut pas... Il faut juste tirer un petit peu. Là. Tout le moteur est coupé tout à l'heure. Et t'arrondis, tu vois, et voilà. T'avais pas un tir. C'est joli comme tout ça. Salut David. Je suis content et voilà.
T'essayes. Voilà. Je te vois pas. Je vais chercher ton virage d'abord au bout.